Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, ça va, oui, puis non, là. Nous espérons que vous allez très bien. Ah oui, eux autres, j'espère que ça va bien. C'est nous, ça va. Nous, ça va, mais on est fatigués. Oh, oui. Ça va, on est super contents d'être à la maison, mais quand même. Alors, il y a seulement deux jours, c'était comme ça. Voilà, et maintenant, c'est comme ça. Alors, vous voyez, il n'y a pas photo. Non, hein, mais c'est pas grave. On a amené des souvenirs. Regardez, j'ai mis des souvenirs. Ça, c'est un cadre de restaurant, vous voyez peut-être pas bien. Ça brille bien, un petit peu, alors on va le faire comme ça. Voilà, là, ça ne brille pas. Une photo qui a été prise au restaurant au Mexique avec un joli cadre de... Alex, Playa del Carmen, toi, puis Muriel. Oui. Ça, on a acheté ça pour peindre. J'aimerais ça que René fasse une belle peinture de ça. C'est un Riviera Maya. Oui, ça serait joli dans une nature morte, hein, des objets comme ça, bien colorés. Ça aussi, lui, là, c'est un masque. Oui, c'est un masque, mais il est vraiment beau. Hein. Oui, il est vraiment, vraiment beau. Métallisé un peu. C'est de l'artisanat, puis, ouais. Et ça, c'est pour moi. Ah, c'est ça. C'est la tequila de Linda et René. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là. Ouais. C'est notre photo. Non, je ne la boirai pas parce que je veux que la garder. C'est marqué Viva Mexico, 25 mars, qu'on avait pris ça. Uh-huh. Fait que je veux la garder pour nous. Oui, ben oui, un souvenir, hein, c'est ça. C'est un souvenir. Et voilà. Et ça, c'est de Niagara Falls. Oui, aucun rapport, hein. Non, c'est ça. Alors, ben oui, on est fatigué quand même. On est fatigué parce qu'on a eu le voyage... qui a duré assez longtemps. On a eu deux décollages, bon. Deux atterrissages. Hein? On est arrivé, on a fait le voyage mercredi, c'est ça? Mercredi. Ouais. Oui, c'est ça, on a fait une escale à Charlotte, alors avec, vous savez, tous les contrôles. Charlotte aux États-Unis, donc on part de Cancun pour s'en aller à Montréal, mais quand on arrive à Charlotte, on a comme un check-out, un contrôle de comme si on était... pour sortir de l'aéroport, pareil que tout le monde. Et puis là, on refait un contrôle pour rentrer à nouveau dans l'aéroport, finalement. C'est pas vraiment une... Tu sais, ils auraient pu nous faire passer sur un chemin à part pour dire, ils sortent de l'avion, puis ils rentrent dans un autre avion, au même endroit pour aller à Montréal. Donc, ils n'ont rien à faire aux États-Unis. Mais là, on était contrôlés comme si... Tu sais, les trucs de douane et tout, comme si on était... arrêter vraiment, rentrer dans la ville, puis ressortir. Oui, mais c'est un contrôle. C'est probablement, c'est la sécurité. Mais une bonne chose... Non, c'était la douane, tu te rappelles pas. Ouais. Oui, mais une bonne chose, ça s'est bien quand même passé. Oui. On n'a pas eu besoin d'aller se faire arriver au Canada, je veux dire, à Trudeau. On n'a pas, eu des tests PCR, on n'est pas obligé d'aller à l'hôtel parce que nous avons attrapé la COVID. C'est ça. Malheureusement, et bon, mais là, c'est un avantage pour nous ici. Oui. Mais non, j'étais contente, là. Puis après, on a pris le taxi, puis on est venu ici. Voilà, ça a été rapide, oui. Oui, puis là, on est très heureux, là. On travaille, on est emprisonné, on est en prison, là, mais... Oui, on est en prison pendant 14 jours. Alors, on est confiné, vraiment confiné, sévèrement, sérieusement. Et voilà. Oh mon Dieu, s'il y avait bu hier, il faut que je leur compte ça. Mais le temps passe tellement vite, on a tellement de choses à faire, le temps passe vite, que je pense que les 14 jours, ils vont pouf. Oui, j'aurais aimé vous faire une petite vidéo. Hier, ma fille Sadia et son fils Samy, ils sont venus mais de l'extérieur, parce que c'est elle qui fait nos commissions. Puis ça fait 4 mois hein, quand même qu'on ne les a pas vus. Puis j'ai pris une photo. Ah, tu as pris une photo? J'ai pris une photo. Ah, OK, bien, il va vous la montrer, la photo. C'est qu'on a mangé ensemble, mais d'après le gouvernement, on n'a pas le droit de contact, c'est sûr. On n'a pas le droit de sortir de la maison, mais on est sur un boulevard. Ma fille puis son fils se sont mis, on a mis une table à l'extérieur, devant notre fenêtre, dans notre bay window, dans un sens. C'est ça, ils ont mis une petite table. Puis là, le boulevard, les autres sont mis face à nous. Nous autres, on s'est mis face à eux autres, une vitre qui nous sépare, puis on a mangé. Et puis alors, on était avec le téléphone, on se parlait par téléphone. Ah oui, imaginez où est-ce qu'on est rendu. On se voyait à travers la vitre, mais on se parlait par téléphone. Oui, mais fait que tu mettrais la, même après, tu mettrais la photo. Mais, qu'est-ce que vous voulez, on s'ennuyait trop, là. Mais là, j'ai dit de ne plus faire ça, parce qu'on ne sait jamais, le gouvernement peut dire, ça peut être pris comme une provocation quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on respectait les gestes barrières. On respectait, puis écoutez, l'amour d'un grand-père puis d'une grand-mère, c'est plus fort que la police, hein? Ouais. Ben voilà, donc on va répondre à combien de questions aujourd'hui? Non, en premier, en dernier de notre vidéo. Ah oui, à la fin de cette vidéo, on va vous mettre quelques images, dernières images du Mexique avec Alex. La fameuse journée, enfin journée, voilà. Les 2 heures qu'Alex il a passé avec les animaux aquatiques. Oui. Puis aussi, on vous remercie toujours des likes que vous mettez. Oui. C'est toujours, toujours apprécié. Tous vos commentaires, on les lit aussi. Oui. Puis c'est ça. Et
Là, on est rendu à 70 000, 71 000, je pense, 71 000 et quelques abonnés. Vous êtes plus de 70 000 abonnés. Vous vous rappelez, quand on a fait le 50 000, on a fêté quelque chose. On vous avait promis la réalisation d'un tableau. On l'a fait au complet. C'était le bateau dans la tempête. Et puis, on vous avait dit que de notre retour, à notre retour au Canada, on ferait un tirage de cette toile. Bon. On va l'organiser. On va vous en parler la semaine prochaine. Voilà. Oui. On va faire tirer la fameuse toile que j'ai peint étape par étape pendant 8 semaines, je pense. Oui. C'est ça? Celui ou celle qui va le gagner, que ce soit n'importe où dans le monde. On va lui expédier, c'est ça. On va l'expédier. Puis voilà, donc là, le temps d'organiser tout ça, là, le tirage au sort, comment est-ce qu'on va le faire. On va vous en parler la semaine prochaine. Oui. OK. Fait qu'on a 11 questions aujourd'hui. 11 questions. Ouais. Ça veut dire que je vais avoir 11 réponses. Honnêtement, je vous dis, je ne sais pas lu les questions. Je ne sais pas que c'est encore de l'improvisation. Je ne les ai pas lues. Ben, c'est pas grave. Fait qu'on va commencer avec Vincent Brosse. Bonjour Vincent. J'en suis à mes débuts. Et j'ai oui dire par le biais du réseau social que l'on pouvait diluer sa peinture à l'huile de tournesol pour la rendre fluide si on n'avait plus de médium. Est-il possible? Y a-t-il des inconvénients? Oui, il y a des inconvénients. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, puis on avait eu justement des réponses dans les commentaires sous la vidéo, des informations de personnes qui l'ont fait, qui ont déjà utilisé l'huile de tournesol ou d'autres huiles alimentaires pour peindre. Alors, à la base, il n'y a aucun inconvénient pour la peinture elle-même. Elle ne sera pas dégradée, abîmée ou mal conservée. Par contre, c'est le temps de séchage qui est terriblement long. Parce que l'huile de lin, elle a été modifiée pour avoir un séchage assez rapide. On a jusqu'à des huiles de lin qui sont très, très, très épaisses. Et j'en ai une ici. Justement, on parlait de Kama Pigment la semaine passée. Voilà, j'ai ici, c'est Kama Pigment, de l'huile de lin polymérisée. Elle est très épaisse, on dirait du miel. Ah ouais, c'est vrai, hein. Tu vois-tu? Ouais. Voilà, vous le voyez peut-être pas parce que je suis loin, mais elle est... On peut-tu goûter? On dirait du miel un petit peu, huile de lin polymérisée. C'est triché. Alors, oui, donc ça, ce sont des produits qui sont faits pour accélérer le séchage, beaucoup. Et l'huile de lin, elle est déjà fait. Si vous mettez l'huile de tournesol, l'huile de canola, l'huile de soya, toutes les bonnes huiles pour la salade. Comme je dis, il n'y aura sûrement pas de dommages pour la peinture, mais vous allez peut-être avoir un temps de séchage d'un mois, deux mois, j'en sais rien du tout, mais c'est très très long. Tu dois être heureux hein, d'être ici quand même pour ton atelier. Hey, ça devait y avoir manqué, ça. J'ai retrouvé mes pinceaux. Attends une minute, Annette. Hey, touche pas mes pinceaux. Non, mais regarde, ça va avec ta moustache. Ah non, il est content parce qu'il est tout, il va travailler plus à l'aise ici. C'est sûr que travailler au Mexique, c'était pas comme ici, là. Mais tu as fait quand même des ondes pour le Cap-Air. Oui, oui hein, on avait, il y a eu pas mal de... On a eu beaucoup de, oui, plus de 360 personnes, oui, qui ont été intéressées par ça. La fameuse opportunité exclusive qu'on avait annoncée à la fin du webinaire. Oui, puis en plus, ça s'est fait tout au Mexique. Je ne sais pas si on en a parlé de ça, du webinaire, des personnes qui ont eu du mal à se connecter. Le webinaire qui a eu lieu donc le mercredi, le 23 avril, je pense. Oui. Il y a bien du monde qui n'arrivait pas à se connecter. À chaque webinaire, il y en a qui n'arrivent pas à se connecter, ça c'est certain. Des problèmes d'Internet, des problèmes de connexion, ça arrive à tout le monde. Ça dépend de votre matériel, de votre connexion Internet. Et après ça, il y a eu, bon, c'était notre premier webinaire depuis qu'il y a eu des modifications sur la plateforme, sur notre hébergeur là. Ils ont fait des modifications. Avant, on était limité à 1500 personnes en direct. Les autres personnes qui n'étaient pas arrivées à temps, ben, ils ne pouvaient plus se connecter. Alors déjà, ça faisait un problème de connexion. Des fois, vous croyez que ça ne marche pas. Non, ça marche, mais c'est que vous êtes arrivé trop tard. C'est comme bloqué. Sauf que s'il y a 1500 personnes en ligne et qu'il y en a une qui s'en va, ben, il y en a une autre qui pourrait rentrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, vu qu'ils ont changé tout ça, ce n'est plus 1500, c'est 2500. Mais comment ça fonctionne? C'est 2500 inscrits et non pas en direct. 2500 personnes inscrites. Lorsque les 2500 personnes inscrites sont inscrites, la 2501 et plus sont en liste d'attente. Et là, vous étiez en liste d'attente, je pense, 1600, quelque chose d'énorme, là, puisqu'on a eu, je pense qu'au total, il y a eu 4300 inscrits, quelque chose comme ça. Mais alors ça, je ne savais pas encore comment ça fonctionnait. Pour nous, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, et je l'ai un petit peu appris par après. Donc, les personnes qui sont en liste d'attente ne peuvent pas rentrer sur le direct. C'est-à-dire que si on n'a que 1300 personnes en direct,
non, 1500, 1600, puisqu'on a dépassé 1500. 1600, bon, mais il y en a 900 personnes qui auraient pu rentrer, puisqu'il y avait de la place pour eux. Mais ce qu'il aurait fallu que nous fassions, et ça on ne le savait pas, c'est qu'au fur et à mesure que le webinaire roulait, là, quelqu'un aurait pu aller manuellement, on va dire, accepter les personnes qui étaient en liste d'attente. Puis ça, on ne savait pas. Puis là, pour le prochain webinaire, il va falloir qu'on engage quelqu'un qui le fasse à la main. Il n'y a pas d'autre système, ça va être fou ça. Il va falloir que 1000 personnes les acceptent un par un à la main, ça va être assez terrible. À partir du moment où le webinaire a commencé, d'après ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça marche. Puis une autre chose aussi, c'est que les personnes ont su qu'elles étaient sur une liste d'attente seulement au moment où ils ont essayé de rentrer sur la salle de conférence. Tout ça, ce sont des petits problèmes dont on n'était pas encore au courant. Non. Et on va les régler pour le prochain webinaire, on va s'organiser pour que ce soit mieux. Et ça, ça va être au mois de mai, là, ce mois-ci de mai. Aux environs, toujours pareil, aux environs du 20-25 mai à peu près. À peu près. Voilà, c'est ça. Ce webinaire-là, alors attention, là. Alors là, on a fait sur la couleur, les mélanges de couleurs en peinture à l'huile. Oui, on le fera sur le mélange des couleurs pour l'acrylique. Ça, c'est sûr, on va en faire un. On va faire comme l'identique pour l'acrylique. Mais pas tout de suite, pour pas faire Mais pas tout de suite, ça va être trop. Pas qu'il y ait une répétition, ça sera sûrement cet automne. Ouais. Et là, ce que nous allons faire au mois de mai, ça va être un webinaire très spécial. Je vous en dirai pas plus pour l'instant. Très spécial. Tu vas les garder sur leur, à leur fin, là. Où il va y avoir une... on va dire une participation des des participants beaucoup plus présente. Ouais. Quelques-uns vont avoir des opportunités de... assez spéciales. De... On n'en dira pas plus. Non, ok. Ouais, c'est ça. On n'en dira pas plus, mais ça va être bien ça. Ça va être des... vous allez travailler cette fois-ci, ça va être vraiment comme un cours. Ouais. Je vais faire des choses, vous allez faire aussi. J'en parle pas trop parce que c'est pas encore complètement organisé. Arrête mais arrête de parler. Ça va être vraiment bien. Ouais. Super bien, ça va être... Oui, alors, on continue avec la deuxième question. Ok, c'est Morrigan. Bonjour Morrigan. Bonjour Morrigan. C'est suite à la speed painting. Ok. Bonjour, je n'arrive pas à poser les touches de blanc sans mélanger avec la couche en dessous. Oui, par rapport à la vidéo du speed painting, ok. Parce qu'elle a essayé de faire la même chose que moi, c'est ça. Okay, oui, par exemple, si elle veut mettre du blanc sur les nuages, et pour pas que ça se mélange à la couche d'en dessous, ben... C'est la base, lorsqu'on fait de la peinture à la prima, vraiment de faire la première couche avec très très peu de peinture, très peu. Il faut quasiment que la peinture sur la toile sèche en 10 minutes. Donc c'est une peinture qui est diluée uniquement avec du diluant à peinture et non pas de médium à peindre, pas de rien du tout d'autre que du diluant à peinture. On peut éventuellement mettre un petit peu d'alkyde, parce que lui il s'agit vite aussi diluant et alkyde mélangé, il n'y aura pas de problème. Et là, on peint très, très mince, très fin. C'est vraiment même transparent sur notre tableau, de manière à ce que je commence mon ciel maintenant, puis quand je suis rendu à faire les herbes en bas, là, le ciel est déjà sec. Mm-hmm. Bon, là, on peut revenir dessus avec du blanc, avec des autres couleurs, et puis ça ne se mélangera pas. Donc ça, c'est la base. Lorsqu'on fait la peinture à l'huile à la prima, la première couche, là, très, très, très mince. Tout faire pour que ça sèche en 10 minutes maximum. On continue avec Linda Geoffrey. Bonjour Linda. Linda. Un beau nom, hein? Oui, Linda, c'est beau, hein? Linda, là, en espagnol, ça veut dire jolie. Oui. Elle doit être jolie aussi. Si, si. Si, si. Il y avait une chanson qui chantait le gars, Linda. Ah oui, Linda Mujer. Linda Mujer, ça veut dire les jolies filles. Okay. Jolies femmes. OK. Elle dit, ça ne fait pas tellement longtemps qu'elle a découvert notre site. Et même si j'ai déjà suivi des cours, je me rends compte qu'il manquait beaucoup de savoir. Pour donner suite au webinaire, vous avez parlé de la qualité des marques de peinture. Pourriez-vous en faire une liste, croissant ou décroissant? À l'intérieur d'une marque, il y a aussi une qualité. Faut-il prendre absolument extra fine? On va commencer par la première. Oui. OK. Te demande de faire une liste croissant ou décroissant. Est-ce que c'est possible pour toi? Dis-moi, la qualité de marque de peinture. Pouvez-vous? Qualité de marque de peinture. Ah, ok, de la qualité de la marque. C'est-à-dire que vous aimeriez que je vous dise, si, par exemple, si Winsor & Newton est meilleur que Talence, c'est ça, dans les marques. Ah, ok, oui. Mais c'est ça, vous avez parlé de la qualité des marques de peinture. Fait que... Oui, moi je parlerais plutôt de la qualité des gammes, mais pas tellement des marques, parce que je ne peux pas vous dire que Sennelier, c'est mieux ou moins bien que Winsor & Newton, que c'est mieux et moins bien que Talence. Moi, je vous dirais simplement que
J'ai commencé à peindre avec la peinture à l'huile Sennelier extra fine, elle est excellente pour l'huile. Après ça, je suis passé à la Winton de Winsor & Newton. C'est une gamme étude dans une très bonne marque parce que Winsor & Newton fait aussi de l'extra fine, mais je n'en ai jamais utilisé. J'ai pas, si vous voulez, je ne suis pas l'artiste peintre comme certains qui vont choisir, par exemple, telle couleur dans telle marque parce que cette couleur-là, dans cette marque-là, ils la trouvent mieux que dans d'autres marques. Y a des artistes qui sont comme ça, ils ont une palette de couleurs, là, ils ont cet ocre jaune de telle marque et puis cette terre de sienne brûlée d'une autre marque. Ils font leur palette comme ça selon certaines marques. Moi, j'ai toujours été pas mal, j'ai utilisé Sennelier, j'avais que du Sennelier au début parce que c'était un cadeau que j'avais reçu. Après ça, je suis passé à la. Quand je suis allé à l'école sur des cours de peinture, là c'était de la Winton que j'avais, de Winsor & Newton, parce qu'on nous avait dit, ouais, c'est la gamme étude, c'est bien pour apprendre, ça coûte pas cher. Après, quand j'ai voulu avoir des toiles plus belles et plus vives, je suis passé à la Rembrandt. La Rembrandt, la gamme, elle est vraiment très grande, c'est de la très bonne qualité, peinture extra fine aussi. Mais j'aurais pu, comme certains artistes, ah, ben moi je préfère mon rouge cadmium clair de chez Sennelier, je l'aimais mieux, puis je vais prendre les autres couleurs chez Rembrandt, etc. Je peux pas vous dire que telle marque est meilleure que telle marque. Mais par contre, après, je suis passé à la Gamblin. J'ai préféré la Gamblin, pourquoi? Parce qu'elle sèche plus vite. Il y a beaucoup de J'ai connu la Gamblin par rapport à des stages que j'ai suivis avec des peintres américains. Vivant au Canada, la Gamblin, on l'a facilement. Elle est très accessible pour nous facilement. Maintenant, ça y est aussi en Europe aussi. Mais pour moi, c'était facile à l'avoir, puis elle était super. J'avais un temps de séchage très rapide pour peindre dehors aussi, en extérieur. C'est là où je me suis un peu jeté sur cette peinture-là. D'ailleurs, Gamblin fait aussi la Fastmate qui sèche encore plus vite, qui est à l'alkyde. Et celle-là, je l'ai essayée, elle sèche trop vite. C'est beaucoup trop. Alors, quand on est dehors, là, on n'est pas capable de suivre. Je préfère la Gamblin normale, la EV Body. Non, ça, c'est des acryliques. L'extra fine artiste. Et puis, j'ajoute du médium si je veux que ça sèche plus vite. Médium alkyde. Après ça, dans l'acrylique, si on veut parler de l'acrylique, je dirais que Liquitex, on sait que c'est très bon. Ah, excusez. Ça, c'est sa maman qui l'appelle. Vous expliquer pourquoi mon téléphone est sur moi et ouvert. Je n'ai pas arrêté la sonnerie, on ne peut pas. Oui. On est obligé d'avoir le téléphone ouvert, que ça sonne, parce qu'on risque d'avoir des appels de la police pour contrôler si vraiment on est présent, si on est à la maison. C'est fou, hein? La police, ils vont nous arrêter. Il faut être présent et réveillé le jour. On ne peut pas faire une sieste parce que s'il sonne à la porte, il faut aller ouvrir parce qu'on peut être contrôlé soit par la police, soit par des entreprises de surveillance privées qu'ils utilisent, la police. Du moins, le gouvernement du Canada utilise ça pour voir si on est vraiment chez nous, si on est tout seul, là, qu'il n'y a personne d'autre que nous pour faire notre quarantaine. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse, sonnerie de téléphone. Belle-maman, là, elle écoute, elle va voir qu'elle a appelé. Elle a appelé au Belle-maman, mauvais moment. j'avais écrit de ne pas appeler aujourd'hui, de ne pas appeler, elle n'a peut-être pas vu. C'est pas grave. C'est pas grave. Chez Liquitex, dans l'acrylique, la Liquitex, on sait que la Heavy Body est très bonne. Moi, j'utilise la Golden parce que je l'adore. Il y a la Abstract aussi qui est bonne. J'en ai une autre, je ne me rappelle même plus la marque, elle est très bonne aussi. Il y en a plusieurs, Oui, hein. c'est excellent, c'est vraiment bon. Il y a des très bonnes marques. Alors, je ne peux pas vous faire, ça pour dire que je ne peux pas vous faire un tri des marques croissantes, du meilleur au moins bon. Par contre, si vous en connaissez des bonnes aussi que moi je ne connais pas, allez-y. Non, Mettez-les dans les commentaires sous la OK, vidéo, les c'est autres bon, personnes, oui. oui, parce qu'elle elle débute. Voilà. Mais Maintenant, alors, la faut-il deuxième question, prendre absolument des extra fines? ben, c'est les meilleures. Alors, c'est des couleurs qui sont plus vives, c'est des peintures qui sont plus couvrantes, c'est des peintures qu'on utilise en moins grande quantité que des gammes d'études. Parce qu'on en a moins besoin pour faire nos mélanges, puisque les couleurs sont plus vives et plus couvrantes aussi. On travaille mieux avec, c'est plus facile à peindre avec des bonnes marques, des bonnes peintures extra fines que des peintures de gamme études. Je me suis trompée, elle ne débute pas, non. Non. Elle débute avec notre site. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a? La deuxième question, c'était quoi C'était exactement? ça, là, avec les. Faut-il prendre, ben, À à l'intérieur d'une marque. l'intérieur d'une marque, y a-t-il aussi une qualité? Faut-il prendre absolument extra fine? Ah, ok. Non, bon, comme je vous dis, moi j'ai commencé avec des marques, des gammes d'études, ça va très bien.
Mais en peinture à l'huile, si on prend de la Winton, de la PBO, on va pouvoir s'amuser, peindre comme il faut, avoir d'assez bons résultats. Par contre, en acrylique, moi j'ai commencé avec des acryliques qui m'ont complètement découragé. Parce que c'était trop transparent, ça ne couvrait pas. Puis on l'a vu aussi quand on donnait des cours en atelier. Laquelle? Ben, moi j'ai utilisé la, je ne sais pas, ça fait trop longtemps, mais je Basique? pense que c'était la basique de Oui, non, oui, Liquitex la basique Basique. n'était pas bonne. C'est, ben, elle n'est pas bonne, Ben, il ne c'est pas faut qu'elle pas n'était pas dire. bonne, était... c'est Très ça. transparent. C'est ça. Donc si on doit faire des glacis, c'est super, c'est une bonne peinture pour des glacis puisqu'elle est transparente. Mais si on veut de l'opacité, vous avez beau choisir tous les tubes, même celui qui est marqué opaque, il est transparent. Il n'y a pas de peinture vraiment opaque dans la basique Liquitex. On utilisait aussi de la Amsterdam, de chez Talan. C'est une bonne peinture et bien couvrante, mais il y a pas mal de transparence aussi, même pour les tubes qui sont indiqués opaques. Et ça, c'est le problème des peintures acryliques, on va dire de bas de gamme un petit peu, ou de gamme étude, c'est l'opacité. C'est toujours l'opacité. C'est pour ça que moi j'utilise la Golden. Elle est chère, mon Dieu, elle est très chère. Je viens d'aller sur le site pour passer une commande là. Ouf. Je pense que ça a pas mal augmenté. Il y avait des tubes à 40 $, alors qu'avant, je pense qu'ils étaient quasiment à 20 $, là, ou 20, 25. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils savent que beaucoup de monde, là, maintenant, ils font une souffle, fait qu'ils en profitent. Mais c'est vrai, remarque, c'est vrai, parce que il y a quelques années, quand on allait chez Deser, on voyait toujours les mêmes marques là, et puis il n'y avait jamais la Gamblin ni la Golden, elles n'y étaient pas. Puis du jour au lendemain, là comme ça, ils les ont mises. On a trouvé la Gamblin et la Golden chez Deser, chez HM aussi. C'est assez extraordinaire. Excusez. On continue avec Diane Mongier. Bonjour Bonjour Diane. Diane. Très beau cette belle vague. Pas pareil. Non, comment? On Non. recommence, salut. Très beau cette belle plage sur photo réelle et encore plus belle une fois peinte. La La Prima. C'est vraiment un bon compromis pour peindre à l'huile sans devoir attendre trop longtemps pour réaliser des œuvres. C'est vraiment un dessin simplifié et la première couche pose les tons et les couleurs. Tu n'avais pas dilué la peinture au tout début? Oui, je dilue toujours la peinture, oui, c'est obligé. Je ne peins jamais avec de la peinture pure, complètement pure. Je dilue la première couche avec du diluant à peinture et éventuellement un petit mélange de médium alkyde dedans, si je veux que ça sèche plus vite. Et puis là, c'est ce que j'avais fait, je pense. Donc, C'est quelle course, hein? C'est non, ça c'est le speed painting, là. Ah oui, ok. Oui. Oui. Et pour que ça sèche très vite, comme je vous l'ai dit, là. Il fallait absolument que ça sèche en quelques minutes. Entre la première et la deuxième couche, je pense que j'ai fait une petite pause. Je fais toujours une pause. Boire un café, manger un morceau. Et puis, ben, comme ça sèche un peu. Puis, tu sais, on se dégourdit les jambes, on change de position et on change nos idées aussi. On regarde d'autres choses, on voit ailleurs. Puis après, quand on retourne devant la toile, on est mieux. Pour peindre, on la voit mieux, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues pendant qu'on faisait notre première couche. On est ressourcé et on peut y aller à la deuxième couche. Donc pour moi, ça a déjà séché. Je pense que je touche toujours un petit peu avec mes doigts comme ça. Je touche la peinture, elle ne vient pas sur mes doigts, mais ça colle un petit peu, mais il n'y a rien sur les doigts, c'est bon, là je peux y aller. Et c'est comme ça, donc ça répond aussi à la première question, c'est pour pas que ça se mélange. Okay. On continue avec Jonquille. C'est un bon nom, ça? Bonjour Jonquille. Jonquille. Je suis débutante à l'huile. Petite question concernant les encadrements. Peut-on faire encadrer une toile cartonnée comme le tableau que vous venez de peindre? Je fais des exercices de peinture sur des tablettes de feuilles pour peinture à l'huile. Est-il aussi possible de faire Encadré. encadrer ces feuilles une fois peintes? Alors oui, les toiles cartonnées, les cartons entoilés peuvent s'encadrer sur des encadrements Avec une normaux. Marie-Louise? Ben non, pas obligé, Non? Marie-Louise, filet, cadre normal. Il Oui. n'y en a pas ici, on cherche. C'est ça, on C'est dans la pièce d'à cherchait. côté. Comme les panneaux d'Isorel, de Masonite, c'est la même chose. Hein, on met le tableau dans le cadre. Et puis on met des petits clous sur le côté, là, puis ça le maintient, comme pour un cadre photo. Pareil, un cadre photo, c'est un cadre avec la photo qui est épaisse ou collée sur un carton. Mais là, souvent, il y a une vitre pour une photo. Là, il n'y a pas de vitre. Mais ça va très bien. Donc on met des petits clous sur les côtés. Maintenant, on avait eu la question la semaine passée pour un cadre flottant ou une Oui, boîte magique, c'était là, épais, plus oui. ça, une boîte américaine. Boîte américaine ou cadre flottant. Mais il a répondu après, Oui, là. j'avais répondu, on ne peut pas mettre un carton entoilé, il faut le monter sur un
faut qu'il soit plus épais, donc le monter sur un châssis. Et puis après, il faut peindre les côtés en noir aussi, ou une couleur, parce qu'il va rentrer à l'intérieur. Ouais. Mais là, donc, c'est ça. La deuxième question, c'était le papier. Le papier, on ne peut pas l'encadrer comme ça, surtout pas. Il faut le coller sur un support rigide. Le papier peint, une fois que vous avez peint le papier, collez-le sur du Masonite, de l'Isorel. On dit Masonite au Québec, Isorel en France. Ce serait mieux parce que... Sur une toile cartonnée, mais le mieux, ça serait sur de l'Isorel. Vous le collez bien comme il faut, puis après, vous pouvez l'encadrer comme un panneau, finalement. Parce que j'utilise beaucoup ça, les panneaux d'Isorel. Je n'en ai pas ici, non. les cartons entoilés, ça m'est venu du moment où j'ai commencé à peindre dehors sur le motif. La surface qui n'est pas transparente, comme une toile est un peu transparente, lorsqu'il y a le soleil de l'autre côté, le soleil traverse notre peinture, notre toile, et puis ça vient nous déranger pour la vue de ce qu'on a sur notre tableau. Alors je préfère des surfaces qui ne laissent pas passer le soleil à travers, donc carton entoilé, Isorel, panneau d'Isorel, c'est super. Et j'ai commencé là-dessus, puis j'ai beaucoup aimé ça, la surface dure, je m'y suis habitué. Surface rigide. Et c'est déjà arrivé assez souvent avec des toiles montées de mauvaise qualité ou en peignant, la toile touche le frame, le châssis. Et là, ça fait des lignes, c'est dérangeant. Alors, j'aime bien les surfaces rigides, donc forcément, c'est des surfaces fines. C'est pas épais, donc ça s'encadre super bien. Elle dit merci, oui. Bravo pour votre tableau de plage des tropiques. Il y a une chanson là-dessus. Sous le soleil des tropiques. Ah oui, Gilbert Montagnier. Oui. Ah, oui. On continue avec Jean Serrien. Bonjour Jean. Pourriez-vous nous apprendre à peindre des véhicules, genre voiture, camion, moto? Pourquoi et pas? Peut-être en mouvement même. Ben oui, pourquoi pas, oui, ça pourrait très bien se faire. Oui. Il dit que ta chaîne est une vraie mine d'or. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. J'ai peint, j'ai déjà fait des voitures dans des tableaux, parce que les voitures étaient là. Paysage urbain avec des autos. Tu as fait celui à Cuba? Oui, Cuba, au couteau, là, la camionnette ancienne. C'est Alex qui l'a. Mais tu sais, je pense que c'était un petit peu... j'avais peint pour les assurances industrielles Alliance, une ville de Laval, une rue dans Laval où il y avait des voitures. J'en ai fait plusieurs, la rue... j'avais un tableau de la rue Saint-Paul à Montréal aussi que j'avais fait avec des autos. C'est pas facile à faire les autos. Non, bien, sur le Facebook de René Milan, il y a beaucoup de membres qui font des voitures qui sont très, très belles. Hein? Oui. Oh, si vous êtes sur Facebook, là, excusez, il y a des belles voitures. Alors, on fera une vidéo comment peindre les autos. Ah oui. On continue avec Cathy Sol. Bonjour, Cathy. Bonjour. J'ai regardé votre webinaire en différé car j'ai été mise sur la liste d'attente. Donc, on a parlé tantôt. Quand j'ai voulu me connecter concernant les couleurs, j'aurais une question à poser comme... OK, oui. Je répète. OK, elle a une question à poser. Là. Comment faire la couleur pierre qui tire sur le jaune à partir de votre palette? Elle, quand elle essaie, elle réchauffe le gris avec du jaune, puis ça vire au vert, bien c'est sûr. Alors oui, si vous avez du gris et que vous mettez du jaune dedans, ça vire au vert. Pourquoi? C'est sûr. Parce que gris, c'est noir et blanc. Si vous mélangez du jaune et du noir, ça fait vert. Oui. Comment la couleur pierre? Oh, une pierre. Oui, oui, les pierres. Okay, oui. En fait, dès que ça vire un petit peu au vert, compensez. Faire du rouge. En ajoutant un petit peu de rouge, voilà, tout simplement, la couleur complémentaire du vert sur le cercle chromatique qui est à l'opposé. Et où mon cercle chromatique? Il est ici, là, il n'est pas là. Il est quelque part. Ah oui, là-bas, tu le vois sur la table. c'est ça, c'est parce que le studio ici, il n'a pas encore été rangé depuis qu'on est arrivé. Mais on n'a pas eu le temps. donc c'est ça, dès que ça devient verdâtre un peu, hop, une petite touche de rouge. C'est parce que votre gris, il est trop bleuté au départ. Mmh. En fait, un gris plutôt brunâtre. Si vous faites votre noir en mélangeant du bleu et de la terre d'ombre brûlée, par exemple, comme je fais souvent, faites votre gris, s'il est trop bleuté, une touche de jaune, ça va faire vert. Donc si vous mettez plus de brun que de bleu, vous avez fait un noir brunâtre, mettez du blanc, ça devient gris brunâtre, une petite touche de jaune. Ça ne tournera pas au vert du tout parce que votre noir est déjà moins bleuté. Mais si ça arrive, une petite touche de rouge et ça corrige immédiatement. Et vous avez une vidéo que j'avais mise dans YouTube, comment faire la couleur. Non, je me trompe. Non, c'était des briques, c'était pas des pierres, c'était des briques, oui. Il me semble. Okay. Je pense qu'il y avait briques et pierres. Je pense que j'ai fait ça les deux, hein, il me semble.
Regardez sur la chaîne YouTube. Je sais que les briques, je me rappelle. Mais Pierre? Oui, oui, Pierre, je me sens, oui. Oui. OK, on continue avec Cathy. Bonjour Cathy. Chère Linda et René, je vous remercie pour votre réponse parce que la semaine passée, on a parlé avec elle de quelque chose. On va en revenir avec ce qu'elle dit là. Elle dit, c'est super. René, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est bien. Effectivement, le ciel était plus pâle, argenté, bleuâtre, même grisé que la mer. Cela doit être l'effet de l'eau qui augmente les reflets. Ce côté étincelant, ces reflets très forts, très lumineux, comme un miroir, sont difficiles à rendre. Oui. J'avais effectivement peint l'eau plus foncée pour rendre plus encore le contraste. Mm-hmm. Mais peindre ces milliers de petits reflets étincelants dans l'eau me pose un problème. Oui. Avez-vous une idée pour les coups de pinceau et le mélange des tons colorés à utiliser? Peut-être un tout petit peu de jaune dans le blanc? Alors, c'est ça. Je me souviens très bien de la question qui avait été posée. C'était une question assez simple, c'était comment faire justement le côté brillant étincelant sur la mer. Ouais. Et moi, j'étais parti avec plein de suppositions. Alors, supposons, je pense que le ciel, il est de telle couleur. Je suppose que la mer, elle est un peu plus foncée que le ciel. Puis là, donc, Cathy me dit, non, le ciel n'était pas plus foncé. La mer n'était pas plus foncée que le ciel, mais elle a foncé. Vous voyez, tout ça pour vous dire que quand on me pose ce genre de questions-là, je ne peux pas répondre. Je peux faire des suppositions, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas la photo, je n'ai pas le tableau sous les yeux. Comment je peux vous aider dans certains cas comme ça si je ne vois pas ni le modèle, ni le tableau? Est-ce qu'il y a un modèle d'abord? Est-ce qu'il y a une photo? Ça n'a jamais été dit ni là, ni sur la question précédente. Non. Hein, on ne sait pas. Est-ce que vous peignez d'après modèle ou est-ce que vous inventez? Tous ces facteurs-là m'empêchent vraiment de vous donner les bons conseils. Pour avoir des bons conseils, il faudrait que je voie, comme on dit. Et là, justement, l'idéal, c'est à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser le service qu'on nous offre dans notre formation, dans la Millionaire Academy, qu'on appelle le service de correction, mais ça peut être aussi du coaching, ça peut être des demandes, avant même de commencer un tableau, ouais, des demandes de conseils. C'est Jean-Antoine qui s'en occupe, il fait ça super bien avec sa tablette graphique, il va vous montrer comment faire à partir du moment où vous envoyez la photo du tableau et du modèle. Il va vous montrer comment faire à partir de là où vous êtes pour vous rendre vers ce qu'on voit sur la photo, vers la correction. C'est l'idéal. Mais c'est comme quelqu'un, tu sais, à un moment donné, avec nos questions et réponses, en donné, tu choisissais une photo de quelqu'un, puis tu le faisais en direct. Tu te rappelles? On avait fait ça. Oui, j'ai fait quelques corrections aussi dans des vidéos de la chaîne YouTube, si vous allez vraiment loin, peut-être il y a un an à peu près, peut-être? Même plus, pas, là. Non. Il pourrait aller voir que ça fait. Voilà, ça fait comme ça des corrections, oui. Oui. Mais là, alors, pour les touches, hein, comment donner les coups de pinceau? Vous savez que vous avez plusieurs possibilités. Pour faire des petites touches fines, horizontales pour la brillance de la mer, moi, ce que je ferai, je mettrai le tableau sur le côté, qu'il soit à la verticale, et les touches, je les ferai verticalement. C'est toujours plus facile qu'horizontalement. Horizontalement, on a du mal à garder l'axe. Verticalement, c'est plus facile. Vous pouvez même prendre une règle, un bâton, quelque chose, vous appuyez dessus. Le mieux, c'est de prendre un petit pinceau traînard, ligneur, ça s'appelle ligneur ou traceur, avec une peinture très, très liquide, et vous venez mettre vos petites touches. Revenir plusieurs fois. Une fois que c'est sec, on revient encore pour accentuer le blanc à certains endroits. N'en mettez pas trop, parce que si vous en mettez trop, Tout va devenir pâle, on n'aura plus cet effet de brillance. N'oubliez pas que c'est brillant parce que c'est très pâle et proche du très foncé. Le contraste est très fort. Vous pouvez aussi utiliser un couteau. Un couteau à peindre et puis des petites lignes avec le couteau, c'est plus facile aussi. Je devrais leur montrer ça. Lui, il y a beaucoup de... Parce que je regarde à côté de nous, là, il y a un cadre que René a fait sur Monet. Oui. Puis c'est ça, il y a beaucoup de coups de pinceau. Oh mon Dieu. Oui, mais là, ça... tu en as fait beaucoup. Mais ça, disons que c'est plus l'impressionnisme, les touches sont assez grossières, c'est pas fin comme imagine la brillance sur l'eau, c'est vraiment des petites touches très très minces. Mais Cathy, si vous voulez avoir une idée, allez peut-être plus loin dans nos vidéos, sûrement Vous allez voir comment sont faites les corrections, ça va vous intéresser certainement. Oui. Mais c'est sûr que pour avoir les corrections, il faut être, faut être abonné à une des formations ou avoir acheté un des cours pour entrer dans le système, puisque tout se fait à l'intérieur de la plateforme. Ouais. Il faut avoir des identifiants. Ou vous pouvez vous abonner puis avec un essai gratuit, puis de là, elle pourrait? Oui, ben c'est ça. En arrivant sur la page, vous avez 7 jours d'essai gratuit. Ben oui. OK. L'abonnement. On continue avec Nadette Guillard. Bonjour Nadette.
Si j'ai bien compris ce dont vous parlez concernant le problème de séchage de peinture à l'huile, quand on veut utiliser du liquin pour faire un glacis, par exemple, il faut attendre un an que l'huile à laquelle on a ajouté du médium à peindre soit complètement sèche. Ou bien passer le glacis au liquin sur l'huile pas encore sèche. Oui, c'est ça, effectivement. Si vous venez de peindre à l'huile avec un médium à peindre habituel, médium que vous achetez dans le commerce ou que vous faites vous-même avec de l'huile de lin et du solvant, que vous venez de peindre, vous avez peint votre tableau, votre deuxième couche, troisième couche, peu importe, et vous voulez revenir une autre couche dessus avec du liquin pour faire des... On parle de glacis? Oui, pour faire un glacis, par exemple. Si vous voulez peindre avec du liquin qui, lui, sèche vite, vous arrivez sur votre peinture encore pas complètement sèche, l'un et l'autre vont se souder ensemble, les couches. Étant donné que l'autre n'est pas sèche, le liquin va agir de son effet, on va dire, de cicatif sur la couche inférieure aussi. Les deux couches vont sécher ensemble, en une seule couche finalement. Ça, c'est pour la question du respect du gras sur maigre et du temps de séchage et le risque que ça craque. Si vous voulez faire un glacis au liquin sur une peinture... Sur l'huile qui n'est pas encore sèche? Oui, c'est ça. Mais on ne peut pas. On ne peut pas faire un glacis sur une huile qui n'est pas sèche parce que les couches vont se mélanger. C'est ça. Le glacis, on le met quand c'est vraiment sec. Sinon, ce n'est plus un glacis, c'est un mélange sur la toile. Donc, si vous faites un glacis avec du liquin qui sèche très vite, c'est de l'alkyde, il faut que la toile en dessous, la peinture, la couche d'en dessous soit vraiment sèche. Sinon, il y a un risque de craquement. Vraiment sèche, on parle de vraiment sèche, comme pour mettre un vernis, on vous dit d'attendre 6 mois ou plus avant de vernir un tableau avec un vernis final. Mais moi, je dirais, avant d'appliquer du liquin, ça serait 6 mois ou plus pour être certain que le tableau soit bien sec. Fait qu'on continue avec Sylvie Robert. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Pourquoi, ça, c'est la vidéo de mercredi. Oui. Pourquoi à la barque bleue, les vagues sont au reflet du bateau et non auprès du bateau? Ah, OK. Oui, ça, j'ai vu cette question, mais je n'ai pas été vérifié, je ne la comprends pas. Ah non? Je n'ai pas compris la question, puis quelqu'un a mis un commentaire et a dit oui, c'est vrai, moi aussi, je me le demande. Oh oui, c'est pour ça que je l'ai mis, ils sont deux. Pourquoi? La barque bleue, je sais c'est quel tableau. Bon. Les vagues sont au reflet du bateau et non près du bateau. Les vagues, c'est dans l'eau. Mm-hmm. C'est sûr que le reflet du bateau, si la mer bouge, ça fait des vagues. Et non? On voudrait dire que... près du bateau. Peut-être qu'il y a plus de vagues en avant, près de nous, et puis moins au loin, près du bateau, ça se peut très bien aussi. Mm. Ça, oui, je comprends. Peut-être là, je commence à comprendre. Ouais. Ben, c'est parce que si le reflet, il bouge moins près du bateau, c'est parce que le vent était de l'autre côté et que le bateau abrite l'eau à ce moment-là, sûrement qu'il y a moins de vaguelettes, d'une part. D'autre part, le reflet, vous avez vu, si vous écoutez bien les reflets, lorsqu'ils sont près du bateau, ils sont plus intenses, ils sont présents. Puis plus on s'éloigne, plus ils viennent juste sur quelques vagues. Et près de nous, il n'y en a quasiment plus du reflet. Les vagues grossissent aussi près de nous. Donc, les reflets sont plus espacés. Et au loin, près du bateau, là-bas, c'est vraiment c'est plus condensé. Donc, le reflet, il est plus plein. Là. Il n'y a pas vraiment la marque des vagues. C'est certainement ça, parce que ce bateau-là, quand même, il est vu de près quand même, on le voit d'assez près. Et donc, il crée aussi une ombre, vous avez vu, très forte et profonde. Sur le reflet lui-même aussi, on ne le voit quasiment pas, le reflet. Parce que la barque, elle est sombre, le bleu est assez sombre. Donc, c'est certainement pour ça. Mais sachez une chose, c'est que cette barque-là, je l'ai peinte d'après une photo, et j'ai quand même été le plus fidèle possible de la photo. Sauf les couleurs. Les couleurs, moi, je les ai toujours boostées un petit peu. J'accentue. D'ailleurs, tu l'as vu, quand on prend des photos... Parfois, c'est sombre aussi. Quand je t'ai montré, là, tu sais, même sur le téléphone, j'ai été revoir pendant qu'on était en voyage, là, où on ne savait pas quoi faire, là. Pas de connexion Internet. Puis j'allais sur mes photos qui sont dans mon téléphone. Et puis certaines, là, je faisais des petites retouches pour redonner à la photo des couleurs réelles. Mm-hmm. Parce que c'est rendu gris, les photos, par rapport au réel. Si je prends une photo de tout ce qui est ici, là, ça va être beaucoup moins coloré, ça. Donc, il faut... Toi, il faudrait pas prendre une photo parce que t'es coloré. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Il est beau, hein?
Ouais, c'est un... Le chandail, hein? Non, non, toi aussi, là. J'aime ça les couleurs. Ouais, ouais. Voilà. On finit par Claude Debièvre. Bonjour, bonjour Claude. Claude. Bonjour René. À mon avis, ça c'est pour la vidéo du bateau. Oui, encore. À mon avis, l'arrière du bateau n'est pas parallèle à vous. Donc, le rectangle que vous avez dessiné... Ah, OK, on parle du dessin, là, oui. Oui, doit être aussi en perspective. Il faut en premier placer la ligne d'horizon, puis dessiner la voie. Oui, OK, je la comprends très bien. C'est-à-dire que moi, j'étais parti au début un petit peu sur une perspective à un seul point de fuite, mais il a bien raison. Si j'avais été vraiment plus précis sur la perspective, j'aurais fait, donc, oui, un point de fuite aussi à droite qui aurait permis à l'arrière du bateau d'être un petit peu... en perspective aussi, partir vers la ligne d'horizon. Mais je n'étais pas parti. C'est vrai, je ne suis pas parti sur une base de perspective. Je suis parti sur la boîte directement sans trop me soucier de ça. C'est exact. C'est qui ça? C'est Claude. C'est Claude. Absolument. Vous avez tout à fait raison. J'aurais pu faire mieux. Non, c'est... Oui. Ça, c'est bien ça. En place d'avoir un pouce en bas, il te dit qu'est-ce qu'il pensait. Oui. C'est ça qu'il faut. Tu sais, on peut se parler, hein? Ben oui, c'est ça. Hein? OK, on a fini. Oui. Mais, savez-vous quoi? Moi aussi, quand on était au Mexique, j'ai fini mes mignons. Ah oui? Puis je l'ai donné au petit garçon, il était très, très, très content. Oui. Fait que j'aimerais ça que René, tu mettes une photo. La photo des mignons? Oui. Je montre ça vite, vite. Oui, oui, oui. Puis aujourd'hui, c'est... Parce qu'on le fait, on est vendredi pour nous, vous allez l'avoir samedi. Mais aujourd'hui, c'est une journée demain. Très, très spéciale. Oui, c'est ça, c'est oui. Demain. Aujourd'hui, c'est une journée très, très spéciale. C'est la fête de Bastien et Jordan. Ah oui, les jumeaux. Oui, c'est ça. Les jumeaux de René. Aujourd'hui, oui. Le 30 avril, ils ont 30 ans. Eh oui, 30 ans, le 30 avril. Bonne fête à vous deux. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bonne fête, c'est ça. Là. Jordan et Bastien qui sont en France. Oui, qui sont en France, eux autres ici. Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, c'est fini. Oui, donc, on va finir ça. On va mettre quelques images de... Ah oui, vous allez vous régaler pour avec... Ah, Alex, en tout cas, il est... Lui, s'est régalé. Ah oui, oui, mais c'est pas grave. Un petit message quand même par rapport aux animaux aquatiques qui vivent dans ces bassins-là. Ils sont nés là, ils ne connaissent pas la nature à l'extérieur. Et c'est sûr que ce sont des animaux en captivité. C'est pour le touriste. C'est un peu malheureux dans un sens. Mais lâchés dans la nature, on ne sait pas qu'est-ce qui leur arriverait vraiment là. Donc, c'est une. Mais ils ont l'air heureux. Ils ont l'air heureux. Vous savez quoi? Lorsqu'on était sur le bord des bassins, là, le soir qu'on allait au restaurant, ils n'étaient pas du tout entraînés. Il n'y avait plus personne du personnel. Puis on les voyait faire les mêmes choses que dans le. C'est naturel de faire des sauts, de venir nous voir. Jouer au ballon, hein, on a des images. Ah oui, il y en a une, à un moment donné, il y a une... Ça, c'était dans le jour. Oui, dans le jour, il y en a une, il jouait au ballon tout seul. On était sur le bord, on disait, il va nous l'envoyer. Non, non, il jouait tout seul. Mais après, il y en avait une autre. Ça, c'était le dernier jour qu'on est allé. Oui, oui, oui. Puis là, il me lançait le ballon. Moi, je lui lançais le ballon. Ensemble. Puis après, il jouait avec d'autres personnes. Moi, quand il se l'a lancé à toi, j'ai pas pris de photos ni de vidéos. Alex, il y en a une, hein, oui, c'est ça. Bon, si on c'est le ça, temps, c'est... une autre fois, là. Mais donc, c'est ça, ils sont des animaux, ce sont des mammifères. Souvent, quand on était là, on les comparait à des chiens. Ils avaient l'air très heureux de... Vous savez, un chien, là, il est attentif à son maître. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il attend que son maître lui demande quelque chose pour lui. Il a comme envie toujours de rendre service à son maître. Moi, je pense que les dauphins, c'est la même chose. Les dauphins, puis il y a aussi l'otari. L'otari, c'était... Ah, l'otari aussi, ouais. À un moment donné, Alex est assis, puis là, ils prennent des photos, c'est ça? Oui. Puis là, tu vois... Nous autres, on le voyait de dos. Oui. Là, à un moment donné, tu vois le tari qui fait avec sa nageoire, il fait ça. J'ai dit, mon Dieu, on devrait un être humain, là. Tu sais, oui, c'était vraiment... Mais Alex, il a adoré. Mais nous autres, un calvaire heureux, là, on a eu des beaux souvenirs. Oui. Fait que c'est ça. On vous met ça, puis on vous dit à la semaine prochaine, en espérant que vous portiez très, très bien. Mercredi pour toi. Oui, mercredi, la vidéo du mercredi. Puis samedi prochain, ensemble. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye.